La Société française de radioprotection est une association, loi 1901, créée en 1965. Elle regroupe environ 1000 professionnels, tous concernés par la radioprotection. On y retrouve à ce titre des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, des inspecteurs, des contrôleurs, mais aussi des formateurs, des enseignants, et puis des médecins, des vétérinaires, des dentistes, des ingénieurs du bâtiment et bien sûr des étudiants. La SFRP est structurée autour d'une douzaine de commissions, de clubs, de sections qui travaillent pour promouvoir la culture de radioprotection et favoriser le partage d'expériences entre professionnels. La société organise 4 à 5 manifestations par an sur les sujets d'actualité du domaine de la radioprotection. Elle est avant tout une grande famille autour de laquelle les professionnels aiment se regrouper pour faire vivre ce réseau riche de sa pluridisciplinarité. Alors, que peut apporter la SFRP aux jeunes professionnels de la radioprotection ? La SFRP promeut la culture de la radioprotection et facilite l'accueil des étudiants et des jeunes. Sur son site, vous pourrez y trouver un espace dédié pour mettre en contact les demandeurs de stage ou d'emploi avec de potentiels employeurs. Vous y trouverez également une liste des différentes formations en lien avec la radioprotection, partout en France, et ce, quel que soit le niveau souhaité, du bac professionnel jusqu'au master et la qualification d'ingénieur. La SFRP permet aux jeunes professionnels de la radioprotection de se créer un réseau pour partager l'expérience et les pratiques de la radioprotection et pour pouvoir échanger avec des spécialistes. Alors après cette présentation générale de la SFRP, je vais maintenant faire un focus plus particulier sur le club jeune. Alors le club est composé d'une quinzaine de membres venant de plusieurs horizons et dont le point commun est d'avoir moins de 35 ans. Donc sont représentés notamment l'IRSN, le CEPN, le SPRA, la DGA, EDF et plus généralement des entreprises du domaine de l'industrie et du médical. Alors le club mène des actions parfois en lien avec d'autres sections de la SFRP qui ont pour but de réfléchir notamment à la place de l'innovation dans nos métiers et de favoriser le partage d'expériences entre les membres mais également à l'international. Alors la facilitation des échanges entre les jeunes professionnels, l'organisation de visites techniques et l'organisation d'événements thématiques permettent de favoriser la montée en compétences des participants. Et pour cela, je peux citer deux exemples. En 2021, l'organisation d'une table ronde sur le thème de l'intelligence artificielle et de la radioprotection. Et également en 2022, une visite technique qui a été planifiée sur le CNPE de Golfech. Donc la participation au club jeune permet également de développer son réseau, alors à l'échelle nationale, voire même à l'international, puisque le club jeune participe à différentes activités du Young Generation Network de l'IRPA. Donc si toi aussi tu as envie de nous rejoindre, prends contact avec nous, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.